Avec Valeo, changez votre filtre à huile à visser en toute simplicité. Pour changer votre filtre à huile, vous avez besoin de chiffon, de gants, d'un produit nettoyant, d'une clé de vidange adaptée, d'une clé à ruban, d'un bac de récupération, d'un entonnoir, de rampe, du filtre neuf, de joint et ou de la vis de purge, de 5 litres minimum d'huile adaptée. Montez le véhicule sur les rampes, puis serrez le frein à main. Laissez refroidir votre moteur environ 30 minutes. En effet, une huile tiède se vidange plus facilement. Sous le véhicule, repérez l'emplacement du filtre dans le compartiment moteur. Ouvrez le bouchon de remplissage d'huile, puis retirez la vis de purge et laissez s'écouler l'huile usagée dans le bac de récupération. Placez un chiffon sous le filtre pour éviter toute projection d'huile usagée. Démontez le filtre avec la clé à ruban et posez-le sur le chiffon pour éviter que de l'huile ne s'écoule. Nettoyez l'emplacement du filtre sur le moteur avec un chiffon propre. Changez le joint de vidange et ou la vis de purge et resserrez l'ensemble. Lubrifiez les joints du filtre avec de l'huile neuve. N'utilisez pas de graisse. Vissez manuellement le filtre jusqu'au contact avec le moteur. À l'aide de la clé à ruban, serrez de 3 quarts de tour supplémentaire. Ne forcez pas plus. Remplissez le réservoir d'huile avec environ 4 litres et contrôlez la jauge de niveau. Démarrez le véhicule et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'huile au niveau du filtre et de la vis de purge. Laissez reposer 10 minutes et refaites l'appoint en huile si nécessaire pour atteindre le niveau maximal de la jauge. Ne jetez pas votre filtre à huile usagé dans la poubelle domestique, mais apportez-le avec l'huile de vidange usagée dans le garage le plus proche. Valeo vous recommande de changer votre filtre à huile lors de la vidange de votre moteur tous les 15 000 km ou tous les ans en respectant les recommandations du constructeur.